Alors l'autre jeune fille là. Joséphine, elle peut venir, Joséphine, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on va amener Joséphine, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il est là, monsieur le maire, monsieur Vimon et monsieur Pesquet? Alors, Joséphine, stop, arrêtez. Voilà. Alors, j'aimerais, monsieur, que vous présentiez, puis que vous racontiez à tout le monde l'anecdote que vous venez de me dire. Eh bien, en fait, Joseph avait des chevaux. Joseph Rabot avait des chevaux un petit peu partout, comme vous le savez. Et il voulait garder ses chevaux, il voulait les avoir pas loin de lui, mais il avait tendance aussi à égarer quelques papiers d'origine ou quelques rangements insolites chez lui. Il ne retrouvait plus toujours ce qu'il rangeait. Donc Joseph étant parti, lui ayant quitté l'année dernière, sa jument étant toujours là, elle a été vendue pour une bonne somme à Louise. Et n'ayant plus de papier, n'ayant pas de nom, elle a été donc appelée Joséphine en mémoire de Joseph. Eh bien, je crois que ça s'applaudit, ça, magnifique, mesdames, messieurs. Vous pouvez applaudir parce que ça nous touche. Revenez tous les ans, s'il vous plaît, mademoiselle, avec Joséphine. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est comme ça les après-midi, c'est maillé de...